Inclusive, eu vou ouvir ali, era Vivi, assim, Vivi, o Bona Noir, o Bona Noir, o Bona Noir, o Bona Noir. Aleluia, aleluia, aleluia. E só sei que ele teve ali, é. Ah, eu te abençoo. Eu vou dar uma graça a nosso Deus, por bênção do Senhor, por cette première session de cette conférence de ce troisième jour. Et nous prions que le Seigneur a encore quelque chose à nous donner. Et nous voulons être sensibles et réceptifs à sa voix et à sa parole. Amen. 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 Dieu, notre Dieu. Et nous allons commencer cette session avec le pasteur Noéla qui était avec nous hier soir. Nous avons été richement bénis, grandement bénis. Nous voulons, en tout cas, avec nos acclamations, l'accueillir. Voilà. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, le royaume de Dieu est parmi nous? Il est lui bien afin qu'il le sache. Le royaume de Dieu est parmi nous. Il n'y a pas autre chose que nous pouvons désirer sinon le règne de Dieu. Amen. Amen. Parce que le règne de Dieu, c'est la solution à tous nos problèmes. Le règne de Dieu, c'est la consolation de l'affligé. Le règne de Dieu, c'est la force de faible. Le règne de Dieu, c'est la santé des malades. Le règne de Dieu, c'est l'abri des sans-abri. Amen. Le règne de Dieu, c'est ta plénitude dans ta solitude. Amen. Le règne de Dieu, c'est ce dont nous avons besoin. Amen. Amen. Le règne de Dieu, c'est la joie des intéressés. Le règne de Dieu. Que pouvons-nous encore désirer plus que ça? Sinon, son règne. Amen. Amen. Le royaume de Dieu est parmi. Comme je l'ai dit hier, une déclaration puissante qu'a fait Jésus. Et nous réalisons à nouveau ce même passage de Luc 17, 20 à 21. La Bible dit, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Père, bénis ta parole. Fais-nous du bien pendant ces quelques moments. Édifie nos cœurs. Et que tout soit pour ta gloire et pour ta gloire seule. Nous disons tous Amen. Amen. Nul n'est besoin encore de revenir à réfléchir, à définir. L'évangéliste Freddy nous a longuement parlé sur l'arrière. Le royaume et toutes ces choses. Donc, à la lumière de ces passages, je veux attirer notre attention sur quelques vérités que nous pouvons, que je puis tirer à la lumière de ces passages. Parler du royaume de Dieu, c'est aussi parler du plan de Dieu, de la volonté de Dieu révélée. Et quand nous lisons ces passages, le royaume de Dieu, c'est notre terme qui dit le royaume de Dieu est parmi vous, parmi nous. Cette déclaration nous dit beaucoup. Une simple déclaration, mais ça dit beaucoup. Ça cache derrière des grandes vérités importantes à savoir. Amen. Et la première chose que je peux souligner ce soir, en déclarant le royaume de Dieu est parmi vous, si nous allons d'abord dans le contexte, nous comprenons que nous sommes dans un moment d'occupation. Les peuples juifs sont sous l'occupation romaine, sous cette domination. En quelques mots, ils sont comme dans l'esclavagisme, sous la domination de ce peuple païen. Et Jésus apparaît, suite à la question qu'on lui pose, il fait une déclaration puissante en disant, le royaume de Dieu est parmi vous.
Qu'est-ce que je veux dire premièrement par rapport à cette déclaration? Premièrement, le royaume de Dieu est parmi vous veut simplement nous dire le gouvernement de Dieu est au contrôle de tout. Amen. Amen. Le gouvernement de Dieu est au contrôle de tout. Qu'importe votre situation, qu'importe ce que vous êtes en train de traverser, mais laissez-moi nous dire que Dieu est au contrôle de tout. Amen. Amen. Rien n'échappe à son contrôle. Il n'y a pas à s'inquiéter. Dieu est au contrôle. La Bible dit qu'il règne dans les cieux et sur la terre. Donc il a le contrôle de toute situation qui se passe. Qu'importe la gravité de votre situation, comme ce peuple était sous occupation, cherchant à soulever ses moyens, comment nous libérer de ces Romains. Mais Jésus vient, il leur dit, le royaume est au milieu de vous. Dieu est au contrôle de toutes choses. Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous fait, vous amène à faire des soucis, des insomnies? Laissez-moi te dire ce soir, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Dieu est au contrôle de toutes choses. Ce qui échappe au contrôle des hommes, ce qui échappait au contrôle de ces chefs religieux, Dieu avait le contrôle. Il s'est posé la question, mais quand, le moment, Dieu a le contrôle des temps et des circonstances. Amen. Il n'y a pas de temps qui l'échappe. Il n'y a pas de circonstances qu'il ne peut pas contrôler. Il n'y a pas de situation qu'il ne peut pas dominer. Dieu domine sur tout. Amen. Amen. Il domine sur tout, il contrôle toutes choses. C'est ça, comprendre le royaume parmi nous. Dieu est au contrôle de tout. Et si Dieu est au contrôle de toutes choses, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi se faire des soucis? Pourquoi se lamenter? Pourquoi s'inquiéter sur les quand, sur les comment, sur les où? Non, pourquoi s'inquiéter? Dieu est au contrôle de tout. Si moi je ne connais pas les quand, lui il connaît les quand. Si moi je ne connais pas le comment, lui il connaît le comment. Ce dont j'ai besoin, c'est de me reposer en lui. Je sais que le royaume est au milieu de nous. Ma situation est prise en charge par Dieu, par le roi du royaume. Quand je sais que le gouvernement est là, je sais que le gouvernement me prend en charge. Quand je sais que le gouvernement est là, que ça tire de gauche ou de droite, je sais qu'ils ont le contrôle. Parce que le gouvernement céleste a les capacités qu'il faut. Il a tous les moyens, même les moyens illimités. Amen. Si le gouvernement de ce monde, de la France, peut des fois nous sécuriser, quand ça tire, non, terroriste dit non, calmez-vous. Nous mettons en place une vigilance. Rien à s'inquiéter. Nous avons le contrôle de la situation. À combien pour quelle raison le royaume céleste, le gouvernement de Dieu, le gouvernement de Dieu, il a tout entre ses mains. Il a les contrôles qu'il faut. Il connaît les tenants et les aboutissants, les quand et les comment. Je vais encourager quelqu'un ce soir. Tu n'as rien à craindre. Dieu est au contrôle. Aide-moi à dire à ton voisin, le gouvernement céleste est au contrôle. Ils sont au contrôle. Tout est en place. Quand Jésus dit le royaume est au milieu de vous, il faut simplement dire, ne vous inquiétez pas, tout est en place. Tout ce qu'il faut est en place. Dieu est au contrôle. Il n'y a pas à s'inquiéter. Deuxième chose que je vais dire, quand nous parlons du royaume est parmi vous, cette déclaration puissante va nous amener à dire que Dieu se rend disponible pour vous. Quand il dit le royaume de Dieu est parmi vous, Jésus veut simplement dire à ses chefs religieux, je voudrais que vous compreniez, Jésus s'adresse aux chefs religieux qui ont posé la question, aux religieux, aux gens qui connaissent les choses de Dieu. Des fois, la plus grande difficulté, c'est d'essayer de convaincre les religieux. La difficulté que nous avons, c'est d'enseigner les religieux. Pourquoi? Parce que les religieux connaissent tout. Ils connaissent tous les versets bibliques. Quand tu cites ça, je sais, il peut même compléter. Quand tu entends, oui, lui qui a donné son fils, il a qu'est-ce que tu veux me dire encore? Non, mais nous sommes. Voilà, exactement ce que la Bible dit, nous sommes à la tête des noms. Ouais, je connais. Ça, c'est le religieux. C'est très difficile d'enseigner le religieux. Et Jésus parle aux religieux qui sont censés maîtriser la loi, connaître la loi. Mais il y a une chose de connaître la lettre
Mais c'est aussi une chose de connaître l'esprit. Amen. Car derrière la lettre, il y a l'esprit qui accompagne la lettre. Et la vie n'est pas dans la lettre, mais la vie est dans l'esprit. Amen. Si tu saisis l'esprit de la lettre, alors tu as la vie. Amen. Mais si tu restes dans la lettre, tu es dans la mort. Jésus dit, Dieu se rend disponible pour vous. Dieu est disponible. Il est parmi vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Dieu se rend disponible pour vous. Vous pouvez maintenant vous connecter à lui. Entrer en contact avec lui. Entrer en relation avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, les réseaux célestes sont disponibles. Vous pouvez naviguer. Les réseaux célestes sont disponibles. Vous pouvez naviguer. Dans le monde aujourd'hui, vous allez voir tout le monde avec son portable cherchant les réseaux. Ah, il n'y a pas de réseaux ici. Ah, les réseaux qui... Mais les réseaux célestes. Je suis venu dire à quelqu'un, tu peux naviguer. Amen. Tu peux naviguer parce que les réseaux du ciel est ouvert. Amen. Et celui qui est descendu du ciel, il a ouvert le ciel. Pour que ceux qui sont sur la terre puissent monter au ciel. Pour que les soucis du ciel puissent aller au ciel. Quand il s'avère au ciel peut descendre la solution. J'ai dit à quelqu'un, les réseaux célestes étaient ouverts. Ils ont parlé à Dieu et Dieu peut te parler. Tu peux dire quelque chose et Dieu peut se révéler à toi. Il n'y a plus de réseaux. Non, on ne cherche plus de réseaux. C'est possible d'être en contact véritablement avec Dieu. C'est possible de se connecter avec le monde invisible. C'est possible de se connecter avec le ciel par Jésus-Christ. Le ciel ne nous est plus étranger. Nous connaissons le ciel. N'ayant même pas été là-bas, mais nous le connaissons parce que nous sommes connectés avec celui qui est descendu du ciel. Personne ne peut connaître les choses du ciel que celui qui est descendu du ciel et à qui il veut le révéler. Amen. Les réseaux sont disponibles. Vous pouvez vous connecter avec le ciel. Ainsi voir ce que l'œil physique ne peut pas voir. Ainsi entendre le message du ciel. Mais vous ici de la terre, à cause de la connexion, vous pouvez le recevoir. Le problème qui a embrouillé les terres, les hommes, c'est la connexion. L'homme est perdu. Mais quand nous sommes connus, quand il y a le réseau, la connexion est possible. La connexion est possible. Et ici, Dieu s'est rendu disponible pour nous. Amen. Dieu est disponible pour nous. Nous pouvons entrer en relation avec lui. Nous pouvons maintenant nous connecter à ces réseaux divins. Nous connecter avec le Père par le Fils. Nous connecter avec le Fils. Nous connecter avec le Saint-Esprit. Nous connecter avec la Sainte Trinité. Ainsi connaître le secret du cœur de Dieu. Parce que nous sommes connectés à l'Esprit. Ils sont de tout, même les profondeurs, les cœurs de Dieu. Le royaume est parmi nous. Amen. Le royaume est parmi nous. Nous pouvons expérimenter ces choses. La question que je peux me poser ce soir, comment entrer en relation avec le réseau céleste? Comment se connecter? Premièrement, par la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance, nous nous connectons. Nous entrons en relation avec Dieu. Deuxièmement, par la prière. La prière nous connecte avec les réseaux célestes. Alors nous pouvons lui parler et il peut nous parler. Parce que la prière, c'est simplement le dialogue. Parler avec Dieu, ce n'est pas compliqué. Cela est possible. Bien, mais je vais dire à quelqu'un. Tu peux désormais connaître la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Amen. Être ici sur terre, mais à cause de raisons, tu es guidé par le ciel. Amen. Mais tu marches. C'est possible. Autrefois, c'était réservé à un groupe de gens. Autrefois, il fallait aller chez un prophète pour qu'il te dise quelle est la pensée de Dieu. Mais maintenant, le réseau est fruit. Amen. Le réseau est ouvert à tout le monde. Le réseau est disponible pour tout le monde. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui que tu sois, tu peux entrer et écouter la voix de Dieu. Tu peux entrer et recevoir de Dieu. Il a dit, invoque-moi,
Je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Entrer en connexion avec les réseaux. Tu recevras la pensée de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons les chrétiens paresseux qui veulent que le pasteur leur dise tout. Même ceux qui veulent, ceux qui vont manger demain. Pasteur, qu'est-ce que tu as dit pour moi? Qu'est-ce que Dieu pense pour moi? Non, les réseaux et fruits. C'est disponible pour tout le monde. Le royaume est venu parmi nous pour nous donner cet accès. Amen. Amen. À la présence véritablement de Dieu. Et ça, ça peut se faire par la foi. Amen. Amen. Troisième chose, c'est que le royaume est parmi nous. C'est une invitation à lui faire confiance pour tout ce dont nous avons besoin, qu'il nous pourvoira. Le royaume est là. Faisons confiance au roi. Amen. Amen. Faisons confiance au roi. Car il a le plan et les projets. C'est une invitation à lui faire confiance pour tout ce dont nous avons besoin. Et savoir qu'il pourvoira. Il en a le moyen. C'est pourquoi j'aime ce qu'il est dit. Dans Matthieu 6, Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour ce que vous mangerez, ni pour ce que vous boirez. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Amen. Amen. De quoi vous avez besoin. Une invitation à lui faire confiance pour tout ce dont nous avons besoin, car il pourvoira. Je voudrais dire à quelqu'un, pour votre sécurité, il pourvoira. Amen. Pour votre mariage, il pourvoira. Amen. Pour votre ministère, il pourvoira. Amen. Pour votre santé, il pourvoira. Amen. Pour votre épanouissement, il pourvoira. Amen. Pour votre travail, pour vos domaines professionnels, il pourvoira. Amen. Faisons-lui simplement confiance. Alors le Seigneur pourvoira. Parce qu'il est le roi. Yes. Amen. Amen. Plus le roi, il est le roi des rois. Amen. C'est lui le propriétaire de tout. Il a coordonné pour que les choses s'exécutent. Yes. C'est pourquoi quand Pierre a prêché toute la nuit sans le prendre, le roi est venu. Mmh. Il est entré sur la mer. Mmh. Le roi n'a fait donner que les autres. Parce que lui, il est le roi des rois. Yes. Tout est sous son règne. Tout ce qui existe, visible et invisible, c'est la propriété de Dieu. Mmh. Il est roi. Quand Pierre a travaillé sans rien prendre, il a jeté les filets, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Rien. Quand le roi des rois est venu, il a dit simplement à Pierre, va jeter à droite, avance en plein eau et jeter les filets à droite. Là où il a travaillé toute la nuit sans prendre quelque chose, mais l'homme lui dit, jette les filets. C'est pour dire, juste avant que Pierre n'arrive là, le roi avait déjà donné l'ordre. À tous les poissons de yes. sa capitaine, Amen. Je sais pas. Toutes sortes de poissons, il les a appelés, capitaine, et tous les autres poissons, il dit, allez tous, à cet instant, je veux que vous vous concentrez à droite de la mer. Soyez là-bas, sans savoir pourquoi ils sont là, tous les poissons, le roi dit, le roi dit, le roi l'appelle, tout le monde se concentre. Et il dit à Pierre, jette le fil. Dieu ne peut pas te demander de jeter s'il n'a pas encore. Si il jette ce qu'il a déjà. Quand il a demandé à Isaac, monte à la montagne avec ton fils, il avait déjà prouvé. Isaac était en train de préparer, de mettre tout pour tuer l'enfant, mais il y avait déjà les béliers qui étaient là. Et quand il voulait dire non, j'ai compris que tu m'aimes, mais ne te dérange pas, j'ai déjà prouvé. Il y a un bélier. Dieu te demande de faire quelque chose. Il a déjà pourvu. Pierre dit, mais nous avons travaillé toute la vie sans reprendre. Pierre, je te fais. Fais-lui confiance, il pourvoira. Amen. Amen. Aide-moi à dire à votre voisin, fais-lui confiance, il pourvoira. J'ai dit, pour le problème de votre maternité, fais-lui confiance, il pourvoira. Pour le problème de travail qui vous tracasse, fais-lui confiance, il pourvoira. Il est le roi, c'est ça le royaume au milieu de nous. Il pourvoira. Quatrièmement, le royaume est parmi nous.
Suite à cette déclaration, nous pouvons dire que maintenant, nous pouvons expérimenter le royaume de Dieu. Nous pouvons expérimenter le royaume de Dieu maintenant. Je ne dis pas demain, je dis maintenant. Jésus dit, le royaume de Dieu est parmi vous. C'est-à-dire, vous pouvez l'expérimenter maintenant. Vous pouvez expérimenter l'autorité, la puissance, la gloire du royaume maintenant. Parce qu'il n'y a pas de royaume sans gloire. Il n'y a pas de royaume sans puissance. Quand on parle du royaume, il y a la gloire. Quand on parle du royaume, il y a la puissance. Quand on parle du royaume, il y a l'autorité. Quand on parle du royaume, il y a la domination. Il ne règne pas sans autorité. Il ne règne pas sans puissance. Il ne règne pas sans gloire. C'est pourquoi on dit que car c'est à toi qu'appartient le règne, la gloire et la puissance pour le siècle des siècles. À lui appartient le règne, la gloire et la puissance pour le siècle des siècles. Et tu dis maintenant, vous pouvez expérimenter ces choses. Amen. Pas demain, maintenant. Ne l'attendons pas demain. Les Juifs disaient quand? Il dit non, ce n'est plus un problème de quand, c'est maintenant. Ne te demande pas quand ça se fera. Ça se fera maintenant. Ne te pose plus de questions, mais ça sera quand? Ça sera maintenant. Le salut, c'est maintenant. La délivrance, c'est maintenant. La guérison, c'est maintenant. La bénédiction, c'est maintenant. L'élection, c'est maintenant. Nous n'attendons plus, c'est maintenant. Il n'y a plus question d'attendre demain, c'est maintenant. C'est aujourd'hui, la Bible dit le jour du salut. C'est maintenant le temps favorable, nous dit la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Or, là où Dieu règne, règne aussi la vie et non la mort. Parce que lui, il règne. Là où Dieu règne, bien-aimé, règne la joie et non la tristesse. Là où Dieu règne, règne l'amour et non la haine. Là où Dieu règne, règne la santé et non la maladie. Là où Dieu règne, règne la liberté et non la captivité. Je disais là où Dieu règne, règne la prospérité et non la médiocrité. Là où le royaume de Dieu parmi nous, c'est la réussite. Et la réussite est assurée. Le royaume de Dieu parmi nous, le succès est assuré. Le royaume de Dieu parmi nous, la gloire est au rendez-vous. Vous ne ferez plus les choses sans éclat, mais vous ferez les choses avec éclat. Car ce qui apporte la lumière, c'est ce qui se fait, mais avec éclat. Et quand vous puissiez le royaume est là, l'éclat va accompagner ce que vous allez faire. La gloire est au rendez-vous. Vous pouvez expérimenter le salut maintenant, car le royaume est parmi vous. Vous savez, l'homme a toujours tendance à se préoccuper du passé et du futur. C'est pourquoi il est difficile à croire à l'intervention miraculeuse de Dieu maintenant. La Bible nous parle d'une femme dans Jean chapitre 11, 21 à 26. Vous connaissez l'histoire de Marthe. Lazare est mort, ça fait déjà 4 jours. Ils ont attendu Jésus pendant tous ces jours. Mais Jésus ne se présentait pas. Alors qu'il est enterré, il commençait même à être. Le corps commençait à être décomposé, Jésus apparaît. Et il se trouve dans la tombe. Il commence à demander qu'on roule la pierre. Marthe dit, Seigneur, il sent déjà. Qu'est-ce que c'est? Il dit non, il sent. Jésus le rassure. Il dit non, mais Marthe, ton frère ressuscitera. Il dit oui, je sais, Seigneur, qu'il ressuscitera dans le dernier jour. Comprenez une chose, Marthe ne doute pas de la capacité de Jésus de ressusciter son frère. Elle croit. Elle dit oui, mon frère ressuscitera. Mais le problème de Marthe, c'est de renvoyer tout au futur. Il dit, je sais qu'il ressuscitera, mais au dernier jour. Pour Marthe, elle doute, elle ne croit pas que cela soit possible maintenant, dans l'instant présent. Pour elle, ça pouvait être possible. Parce qu'il avait dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais ici, elle croit que la puissance de Dieu pouvait intervenir dans la vie de son frère malade. Mais
c'est, ça pouvait être possible, mais dans le passé. Si, Seigneur, il y a quelques jours, s'il y a quelques temps, tu étais venu me proposer ce que tu me proposes là, j'aurais cru. Mais maintenant, non, c'est pas comme ça. Jésus lui dit encore, mais je suis la résurrection. Yes. Il dit oui, mais je sais que mon frère ressuscitera. Jésus lui dit, mais ton frère ressuscitera. Il dit oui, je sais, mais il le renvoie au dernier jour. Deux extraits, le passé. Comme ça ne s'est pas fait hier, je saute aujourd'hui. Je vois directement le futur. Et qu'est-ce que tu fais d'aujourd'hui? Aujourd'hui, non, je subis seulement les conséquences du passé. Aujourd'hui, ce n'est pas grave, je vais vivre avec ces douleurs. Aujourd'hui, ce n'est pas grave, je reste dans cette réalité. Mais je sais qu'un jour, mais je suis venu dire à quelqu'un, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est pourquoi? Parce que Dieu croit, il dit, c'est pourquoi il nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire quelque chose qui est au point d'arriver. Jésus nous a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. C'est aujourd'hui. Pour elle, ça pourrait être possible. Ou ça pourra être possible. Mais ce n'est pas possible maintenant. Jésus lui dira, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Deux vérités. Résurrection, c'est-à-dire, c'est déjà mort. Mais Jésus dit, moi je suis la résurrection. C'est-à-dire, quand j'entre là où il y a la mort, je ramène à la vie. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, les choses qui ont disparu vont revenir. Amen. Parce que le royaume est en bas. Il dit, je ressuscite même ceux qui étaient déjà morts, déclassés. Il dit, je peux le ramener à la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je ramène à la mort, ce qui est mort. La vie, c'est-à-dire rien n'existe. Mais je donne la vie là où il y a rien. Ressusciter, quelque chose a existé. Quelque chose a travaillé. Et puis ça a connu un choc. Et c'est, ça a été, ça a disparu. La mort a pénétré. Il peut ressusciter, ramener ça. La vie, il n'y avait rien. C'est une forme vide, mais il communique la vie. Il donne le vie. Il peut le faire parce que le royaume est parmi nous. La seule question qu'il pose à Marthe, crois-tu cela? Aide-moi un peu à poser la question à votre frère, crois-tu cela? Jésus ne dit pas, Jésus dit je suis, il ne dit pas j'étais, il ne dit pas je serai, il dit je suis. La résurrection et la vie. C'est maintenant. Dieu n'est pas le Dieu du passé, frères et sœurs. Il n'est pas le Dieu du futur. Dieu est le Dieu de maintenant. Il n'est pas différent de ce qu'il était hier. Et il ne sera jamais différent de ce qu'il est. Il ne sera jamais différent de ce qu'il est aujourd'hui. La Bible dit qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et éternel. Le royaume de Dieu parmi nous nous donne la possibilité de vivre, d'expérimenter Dieu maintenant. Maintenant. Amen. Amen. Maintenant. Crois-tu cela? Que maintenant, quelque chose, aujourd'hui, quelque chose peut se passer. Le royaume de Dieu parmi nous, cinquièmement, cette déclaration nous amène à dire, cinquièmement, être ouvert à la manière de faire de Dieu. Être ouvert à la manière de faire de Dieu. Les pharisiens cherchaient à savoir quand viendra le royaume. Mais Jésus ne parle, Jésus leur parle de comment vient le royaume. Vous avez vu la différence? Il dit quand viendra le royaume. Jésus dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière. Et ils sont dans le camp, Jésus est dans le comment. Ils disent quand Jésus dit comment.
commence par là. Être ouvert à la manière de faire de Dieu. Pour Jésus, leur préoccupation sur le camp n'était pas juste. Il devait plutôt être ouvert. Et c'est leur manque d'ouverture. Leur manque d'ouverture les empêche de recevoir le royaume qui pourtant était au milieu d'eux. Mais par manque d'ouverture, ils n'arrivent pas à le recevoir. Bienvenue dans le Seigneur. Nous passons à côté de beaucoup de choses. À côté de beaucoup de choses. Non pas parce que ce n'est pas le temps, mais par manque d'ouverture à la manière de faire de Dieu. Nous passons à côté de beaucoup de choses, non pas seulement le temps, c'est un problème de temps, mais c'est plus un problème d'ouverture à la manière de faire de Dieu. Les royaumes viennent, mais pas n'importe comment. La Bible nous parle de l'histoire dans 2 Rois 5 de Naaman, le général, qui avait un problème, malade, lépreux. Il va voir le prophète Élisée. Et Élisée va lui dire, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Écoutez le général savait. Le temps était là pour sa guérison. Tout était réuni. Le Jourdain était là pour l'accueillir et lui apporter ce dont il avait besoin. Mais la parole était déjà libérée. Mais les problèmes de Naaman, il n'était pas ouvert. Il dit, je me disais, j'ai pensé que le prophète sortira. Il posera sa main sur moi. Il dira quelque chose et puis je serai guéri. Mais aller me jeter dans le Jourdain, mais le fleuve de Damas est mieux que le Jourdain. Pourquoi ça? Le grand problème, c'est la manière de faire de Dieu. Dieu a sa manière de faire. Donc j'aimerais le dire, Dieu a sa manière de faire les choses. Amen. Dieu a sa manière d'amener les choses dans votre vie. Il dit, quand viendra? Il dit, voilà comment ça viendra. Donc il y a une façon où les choses, Dieu amène les choses dans notre vie. Ça vient à sa manière, pas à notre manière. Et pourquoi nous n'arrivons pas à recevoir pourtant les choses que Dieu amène dans notre vie? Les choses que Dieu amène pour nous. Pourquoi nous n'arrivons pas à les recevoir? Parce que nous ne sommes pas ouverts à sa manière de faire. Nous restons carrés sur notre tradition. Ça se fait toujours comme ça. Dès que ça ne vient pas comme d'habitude, ce n'est pas de Dieu. C'est pas Dieu. C'est le problème de Naaman. Il dit non. J'ai pensé que ça se fera de cette façon. Savoir quand viennent les choses nous garde dans l'attente. Mais la réception ou le refus est déterminé par notre ouverture aux manières de faire de Dieu. Quand viendra, ça nous garde dans l'attente. Mais pour recevoir ce que Dieu attend, il faut s'ouvrir aux manières de Dieu. Marie, tu seras enceinte. Je ne connais pas l'homme. Comment ça se fera? Dieu lui dit, l'homme du Tout-Puissant te couvrira. Écoutez sa réponse. Est-ce que c'est compréhensible là-haut? L'homme du Tout-Puissant te couvrira. Ah bon? Mais j'aime l'attitude de Marie. Sa réponse est simple. Je suis ta servante. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Je suis ouvert à tes méthodes. Moi, je ne connais pas ce genre de méthode. Je ne sais pas. Non, on ne se retrouve pas enceinte par ces manières-là. Ces manières n'amènent pas la conscience. Mais parce que toi, tu le dis. Mais parce que c'est ta façon de faire. Parce que c'est ta manière de faire les choses. Je suis la servante. Qui me semble selon ta volonté. Je m'ouvre à tes manières de faire les choses. Est-ce que quelqu'un peut s'ouvrir à la manière de faire des choses?
laissez Dieu faire les choses comme bon lui semble. Laissez-lui te conduire là où il veut. Toi, tu dis non, pour aller à la gare du Nord, il faut prendre la droite. Dieu te dit non, va à gauche. Non, Seigneur, le panneau indique que la gare du Nord, c'est à droite. Dieu dit non, va à gauche. Seigneur, ce n'est pas dans notre logique. Ce n'est pas dans nos habitudes. Ce n'est pas comme ça que nous, on fait les choses. Ici, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Les problèmes, le royaume ne vient pas selon la manière de faire de votre famille. Le royaume ne vient pas selon la manière de faire des hommes. Le royaume ne vient pas selon la manière de faire de votre gouvernement. Ça, c'est le gouvernement céleste. Dieu le ciel, il décide. Non pas seulement de ce qu'il veut nous donner, mais de la manière dont il veut vous les donner. Les choses qu'il veut nous donner, mais il y a aussi la manière où il veut nous donner ces choses-là. Et si on n'est pas ouvert aux manières de faire de Dieu, nous allons bien aimer dans le Seigneur, passer à côté. Et c'est ce qui a choqué ces pharisiens, ces religieux, parce qu'ils voulaient les choses, mais ils n'étaient pas prêts à accepter les manières de Dieu. Ils désiraient le royaume, mais pas de manière, pas les manières dont le royaume pouvait venir. Il désirait le royaume. Il voulait même savoir, mais c'est quand nous attendons cela. Oui, vous êtes dans les attentes de beaucoup de choses. Vous êtes dans l'attente de beaucoup de choses. Mais est-ce que vous êtes prêts aussi à accepter les manières de Dieu pour vous amener ces choses? Marie a dit, je suis ta servante. Qu'il me soit fait selon ça. Joseph a eu un rêve, il a vu des choses que Dieu avait prévu de lui donner, mais la manière de faire de Dieu était différente. Je ne sais ce que pouvait imaginer Joseph quand il voyait ses rêves. Il est un grand monsieur, ses frères, ses parents se prosternent devant lui. Il se disait sûrement ici, Israël va savoir. Mais Joseph, tu ne sais pas que ça sera en Égypte. La manière de faire de Dieu. Dieu le sépare de son père, de ses frères, l'amène en Égypte. Lorsqu'il se retrouve sûrement chez Potiphar, on le nomme à l'intendant du haut. Voilà. C'est ça ce que Dieu m'a fait. C'est ça ce que Dieu m'avait dit. La manière de faire. Dieu provoque une autre situation. Les rêveurs se retrouvent sans. Ma fierté est partie. Le réveil se trouve en prison. Sûrement, il se pose des questions. Qu'est-ce que je fais avec ces grands rêves, mais en prison? Soyons sérieux. C'était une vision. Est-ce que ce n'était pas mes pensées? Parce qu'un grand rêve, est-ce que vraiment c'est ici en prison que mes frères vont se prosterner? C'est la manière de faire. Il interprète des songes, des chansons sortent. Il lui dit, bon, souviens-toi de moi. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, quand les chansons sont parties, il oublia. Donc il y a des fois, Dieu enlève la mémoire à certaines personnes pour vous garder dans ces méthodes de faire des choses. Ce n'est pas qu'il ne veut pas se souvenir. Dieu a enlevé trop de mémoire. Les méthodes de Dieu sont perdues. Dieu pour dans ces méthodes incompréhensibles à l'être humain, pour amener Joseph dans les choses qu'il lui avait fait voir. Voilà comment vient l'élévation. Dieu va faire rêver quelqu'un. Il a fait rêver Joseph, mais pour que le rêve de Joseph prenne sens, prenne vie, il devait aussi provoquer un autre rêve quelque part. Et ce rêve devait, ce n'est pas le rêve de Joseph qui l'a amené au trône, c'est le rêve de Pharaon qui a amené Joseph sur le trône. Tu ne sais pas le rêve par qui Dieu va passer
pour t'amener dans les choses que tu as fait. La prière de Dieu, c'est le temps, c'est le souci. Joseph ne pouvait jamais imaginer que c'est pas un pharaon. Un pharaon, c'était qui? En plus, spirituel qu'était Joseph, pharaon, c'était mon cultiste. C'est un sataniste illuminati. Pourquoi il est content avec lui? Mais Dieu a mis là. Son rêve, c'est là. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est pourquoi je te conseille. Sois ouvert. Aide-moi à dire que sois ouvert au maniement. Sois ouvert au maniement. Tu ne sais pas par qui. Tu ne sais pas par qui Dieu passera pour amener ton rêve. Tu ne sais pas par qui. Des fois, aux personnes auxquelles on ne s'attend les moins. Dans le milieu où on ne s'y attendait même pas. Là. Mais là, tu amènes ton rêve à devenir une rêve. Je t'encourage à être ouvert. Et il y a un esprit qui rêve. Et il y a un esprit qui rêve. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Les méthodes des dieux. Il dit, quand viendra? Il dit, le royaume de Dieu ne vient pas de cette manière-ci. Il y a des manières où les choses arrivent. Je sais peut-être que vous connaissez cette histoire. On raconte l'histoire d'une femme un jour qui priait et Dieu vient pour lui. Il dit, demain, je viendrai à midi te visiter. Waouh! Cette femme. Dit le Seigneur va me visiter toute la nuit. Elle a tout apprêté, tout mis en place, arrangé. C'était bien elle-même, elle s'apprêtait. Mini. Et donc, elle s'est précipitée, elle trouve un vieillard pâle, un clochard, les habits sales. Il se tient. Mais à qui là? Je n'ai pas besoin de toi. Moi, j'attends le Seigneur. J'attends le Seigneur. Pas de boulot. Elle ferme la porte. La journée est passée. Le soir. Elle veut pleurer et dit, mais Seigneur, tu m'as promis de lui dire non, que c'est bon. J'étais venu. Mais tu m'as pas écouté. Seigneur, quand est-ce que tu. Il dit, j'étais venu. Mais tu m'avais dit à midi. Et oui, à midi, j'étais venu. Mais pas à la manière dont tu t'attendais. Dieu me dit, demain, je serai là. À midi. Elle dit cette fois-ci je ne vais pas. Elle a fait des tours. Bien sûr. Elle dit cette fois-ci je vais. Et donc, j'ai l'autre tour. Bonjour madame. Moi j'attends le Seigneur. Merci. J'attends le Seigneur. Elle parle de l'histoire du Seigneur. Elle dit, Seigneur, tu ne m'as pas visité du nom. J'étais venu. Mais comme un petit enfant. Mais tu m'as pas. Le problème. On a déjà des idées préconçues. On a déjà des idées préconçues, des préjugés. Dès qu'on voit, on ne peut pas avoir cette forme. On ne peut pas être de cette couleur. Non, surtout, ne peut pas venir de ces pays-là. Mais on ne sait jamais là où ça viendra. Amen. 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 Par manque d'ouverture, les pharisiens attendaient ce qui était déjà à leur portée. Par manque d'ouverture, jusqu'aujourd'hui, quelques juifs attendent le Messie. Ils savent qu'il va venir. Le Messie viendra nous délivrer. Mais le Messie était déjà venu. On l'a même crucifié. Il est ressuscité. Quand nous attendons le retour, et ils attendent. Parce qu'ils n'ont pas été ouverts. Sois ouvert. Aide-moi encore à dire à quelqu'un, sois ouvert. Sixième principe que je tire de ces passages, les royaumes épargnés. Jésus dit, ça ne viendra pas de manière à frapper l'heure. C'est-à-dire, il veut simplement dire,
Le royaume ne viendra pas de manière à frapper l'œil, de manière où que vous puissiez le voir. Donc le royaume viendra, mais de manière invisible. Quand il dit invisible, et à la fin il dit, le royaume est parmi vous. C'est pour dire invisible, mais accessible. Le royaume sera invisible, mais accessible. Invisible, mais présent. Ce n'est pas parce que c'est invisible qu'il n'y a rien. L'invisibilité n'est pas l'inexistence. S'il n'y a pas de choses, ce n'est pas que ça n'existe pas. Ça existe, mais c'est invisible. Du reste, je suis arrivé à comprendre que tout ce que Dieu nous donne vient dans une forme invisible. Tout ce que Dieu nous donne vient dans la forme spirituelle. Or, le spirituel, on ne peut pas le voir. C'est invisible, mais c'est présent. Ce mariage que vous attendez, c'est invisible, mais c'est présent. En passant cela, je me suis rappelé de 1 roi 18, versets 43 à 44. Vous connaissez l'histoire des débits. Dieu lui a dit, maintenant je veux faire te voir. Après la confrontation avec les prophètes de Baal et d'Astarté, il monte au mont Carmel. Il se met à genoux pour se rassurer. Il demande à son serviteur, moi je prie, toi tu regardes ce qui se passe. La Bible nous dit, quand son serviteur est allé pour voir, il a regardé le ciel et il est revenu pour lui dire, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourquoi cet homme a dit, il n'y a rien? Parce que il n'y avait rien. Mais ce qui me dérange dans cette histoire, c'est la persistance des ennemis. Il n'y a rien pour qu'il voit à Dieu. Tout le monde sait quand il fera les choses. Non! Il dit encore, vas-y. Va voir. Le serviteur est allé deux fois, trois fois, quatre. Je suis sûr, cinquième fois, même lui-même, il était fatigué. Quand il va en allant ou non, c'est vieux monsieur. C'est l'âge. Il y a même des illusions. Il n'y a rien. C'est l'âge. En boudant. Mais il rentre encore. Comment? Je t'avais déjà dit, rien. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que c'est invisible qu'il n'y a rien. Les choses sont invisibles, mais ils ne sont pas absents. Les choses sont là. Amen. Je vais dire à quelqu'un, les choses sont là. Amen. Même si toi tu ne le vois pas, mais ça existe. La Bible dit, ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur. Mais Dieu les a préparés pour ce livre. Les choses sont là, mais les yeux ne le voient pas. C'est invisible, mais présent. Il dit, c'est présent. Jusqu'à ce qu'au septième fois, il va le voir. Et Dieu l'ouvre les yeux et dit, ah, je vois. Je vois un nuage comme un pauvre main. C'est petit nuage. Il y a quelque chose. Il y avait quelque chose, mais c'est toi qui l'as. Élisée a rencontré le même problème avec son serviteur. Il sort comme ça, il voit, waouh, quelle armée les a environnés. Moins deux pour deux personnes. Toute une bataille. Il dit, mais nous sommes finis. Il lui dit, que le Seigneur ouvre les yeux. Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Je vais encourager quelqu'un à croire à l'invisible. À l'invisible. C'est invisible. Ce n'est pas encore vous. Non, vous ne les parlez pas. Mais c'est présent. C'est présent. D'autres versions disent, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Donc, c'est-à-dire, ces choses sont en vous. Mais je ne les vois pas. C'est en vous.
connaissez, c'est en vous. Tout ce qui est invisible n'est pas inaccessible. C'est invisible, mais c'est accessible. C'est ce que Jésus explique aux pharisiens. Vous ne voyez pas le royaume, mais le royaume est pour vous. C'est accessible. Vous pouvez accéder aux choses que vous ne voyez pas. C'est un avenir invisible. Mais c'est accessible. J'y accéderai un jour. J'y accéderai un jour. C'est encore invisible pour moi. Mais je sais que c'est accessible. Si la réussite est encore invisible, mais c'est accessible. Si la santé pour toi est encore invisible, mais je suis venu te dire ce soir, c'est accessible. La bénédiction du reste, vous savez, est invisible, mais elle est présente dans notre vie. Avant que ce serviteur ne voie les nuages, la pluie existait déjà. J'étais là, mais c'était un problème. Il ne voyait pas. Et ce que tu ne vois pas existe. Et tu peux nous avoir. C'est accessible. L'invisible n'est pas impossible. Ce n'est pas parce que je ne le vois pas, je ne pourrai jamais le posséder. La pluie est invisible à ses yeux, mais pas impossible à vivre. C'est possible. Amen. Amen. Le royaume est parmi nous. Invisible. Mais en nous, invisible. Mais rien. C'est pourquoi je dis, la bénédiction, comme nous l'a dit l'évangile Jésus-Christ, ce n'est pas le matériel que nous voyons. C'est invisible. C'est en nous. La Bible dit que nous sommes bénis déjà en Christ dans le lieu céleste. Nous sommes comment? Bénis. Mais toi-même, quand tu te regardes dans le visible, tu dis, est-ce que je suis vraiment béni? La bénédiction est là. Oui, la bénédiction, elle est là. Mais c'est invisible. Elle est présente. Présente. Amen. Septième et dernière. Et avant-dernier point, le royaume de Dieu est parmi vous. Je veux simplement lire. Jésus dit, ça ne vient pas de manière à frapper l'œil. Les pharisiens disent, quand viendra le royaume? Jésus dit, le royaume est parmi vous. Cette déclaration nous enseigne que les choses de Dieu s'obtiennent que par grâce. Les pharisiens avaient difficile à accepter une telle vérité, car elle était trop facile. Sans rien faire, le royaume est venu. Comment le royaume est venu comme ça? Là, le royaume est parmi nous. Comment cela est venu parmi nous? Nous n'avons rien fait, le royaume est là. Pour eux, les choses ne viennent pas comme ça. Il faut faire quelque chose. Il faut faire un sacrifice. Il faut combattre. Ça ne peut pas venir seulement comme ça et puis ouais, non, on dit le royaume est là. Non. Il faut le mériter. Mais par cette déclaration, Jésus nous montre que nous n'avons pas des efforts à faire. Le royaume est déjà là. Amen. Il ne faut pas oublier, je disais, il parlait aux chefs religieux qui savent que pour obtenir les choses de Dieu, il faut faire des sacrifices. Il faut aller au temple sacrifier, alors vous obtenez le pardon. Il faut aller sacrifier, alors vous obtenez les choses. Mais là, Jésus dit, c'est déjà là. Il dit, mais comment? Nous n'avons rien fait. C'est la grâce. Amen. Amen. C'est la grâce. Nous n'avons pas des efforts à faire. Écoutez encore, Jésus dit, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les yeux.
quand vous dites non, c'est là-bas ou c'est ici. C'est-à-dire, il n'y a pas de distance à parcourir. Vous n'avez pas de billets à payer, de billets à payer pour vivre le royaume. C'est Dieu qui l'a amené là où vous êtes. Ça vous a localisé. Il dit pas le royaume est là-bas. Il dit c'est là, au milieu de vous. Donc c'est-à-dire là où vous êtes, le royaume est venu. Ça vous a localisé. Je vais dire à quelqu'un, nous ne sommes pas de ceux qui courent derrière la bénédiction. La bénédiction, les choses que Dieu nous a promis, nous localisent. Je crois qu'il restait en place. Je ne vais pas ni à gauche, reste en place. Qu'est-ce qu'il dit à Josué? Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite pour réussir. Reste en place. Ça va te localiser. Je vais dire à quelqu'un, ça va te localiser. Il dit son milieu de vous. Vous n'avez pas à faire de distance. Tout est grâce. Ça va vous localiser. Tout ce qui vient de Dieu, frère, soeur, est un don. Nous ne le méritons pas. Les pharisiens voulaient que quand ça viendra, ils voulaient savoir quand ça viendra pour qu'ils sachent quoi faire pour les recevoir. Quel sacrifice, quelle cérémonie. Il n'y a rien à faire, tout est à recevoir. Nous n'avons pas à courir à gauche et à droite, c'est au milieu de nous. Ces passages nous montrent que le royaume de Dieu est à recevoir et non à chercher. La bénédiction de Dieu est à recevoir et non à chercher. Se mettre à chercher la bénédiction, c'est mal comprendre la bénédiction. Parce que la bénédiction est au-dedans. En Christ, nous avons toutes les bénédictions du Seigneur. Amen. C'est à nous. Tout est grâce. Tout est grâce. Être ce que vous êtes, c'est la grâce. Amen. Amen. Et comprenez que la réalité du royaume, c'est la grâce de Dieu. Amen. La réalité du royaume, c'est la grâce. Et je termine en disant, le royaume de Dieu parmi nous nous invite à changer notre mentalité. À changer notre mentalité. Désormais, il est question du royaume de Dieu, frères et sœurs. C'est-à-dire de la volonté de Dieu et non pas du royaume du diable ou des hommes. Il est question du royaume de Dieu, non pas du royaume du diable ni des hommes. Parce qu'il y avait à ce moment, le royaume du diable était à l'œuvre. Le royaume des hommes aussi, les Romains étaient là. Mais Jésus parle du royaume de Dieu. C'est-à-dire de la volonté suprême de Dieu. Désormais, je veux vivre pour faire accomplir la volonté de Dieu. Ma vie doit refléter la volonté de Dieu. La manière de penser de mon roi. C'est pourquoi Romains 12, 1 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous sachiez discerner ce qui est bon, agréable. Ne pensez plus, frères et sœurs, en termes d'esclaves. Ne pensez plus en termes de libre. Parce que le royaume, c'est la liberté. Ne pensez plus en termes de serviteurs, mais pensez en termes d'enfants. Parce que le royaume de Dieu a fait de nous des enfants de Dieu, des citoyens du ciel. Ne pensez plus en termes de serviteurs. C'est pourquoi Jésus, quand il dit, quand vous priez, dites notre Père. Amen. Nous avons été adoptés et nous avons les titres des enfants de Dieu. Ne pensez plus en termes de maudits, mais pensez en termes de bénis. Parce que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans le ciel. Ne pensez plus en termes de condamnés, mais pensez maintenant en termes de justes. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toute forme de condamnation qui pèse sur vous est nulle et sans effet. Parce que vous êtes un homme, une femme justifiée par le Christ. Ne pensez plus en termes de condamnation.
Oh, les condamnations des familles. Oh, les condamnations de notre clan. Oh, les condamnations de notre tribu. Non. Moi, je suis, j'ai déjà été transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Donc, il y a déjà un transfert. Si vous allez me chercher dans les ténèbres, je n'y suis plus. Je suis maintenant un homme de la lumière. Je vis maintenant dans la lumière. Donc, pour moi, il n'y a plus de confusion. Il n'y a pas d'illusion. Tout est clair. Je sais ce que je suis. Amen. Il y a déjà un transfert. Le royaume est parmi nous. Ne pensez plus en termes de pauvreté, mais de richesse. Car la Bible dit, il s'est fait pauvre pour vous enrichir. Ne pensez plus en termes de vaincu, mais de vainqueur. Car nous sommes dans le royaume des vainqueurs. Notre roi a vaincu le combat de tous les démons de toutes catégories. Donc nous sommes plus que vainqueurs. Alors ne pensez plus en termes de vaincu, mais de vainqueurs. Inclinons nos têtes. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu au contrôle de toutes situations. Dieu se rend accessible, disponible pour toi. Ce soir, tu peux lui parler. Tu peux lui exposer des problèmes et des soucis. Tu peux lui dire ce qui ne va pas. Parce que le réseau est ouvert. Lui faire confiance que tu peux expérimenter ces choses maintenant. Seigneur, nous te prions de bénir ta parole dans nos cœurs. Plus qu'une simple connaissance, qu'elle soit une vie. Tu connais, Seigneur, ce qui vit dans les inquiétudes. Tu connais, Seigneur, ceux qui ne sont pas prêts, ne sont pas ouverts. Il veut dire comme mon mari, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta volonté. Tu ne comprends pas tout ce par quoi tu passes. Tu viens même, tu commences même à te révolter, à te rébeller contre Dieu. Mais ce soir, Dieu me demande de te dire, tu es dans ce méthode. C'est sa manière de faire. Peut-il ne lui laisser faire les choses comme il a pensé le faire? Merci pour ta fidélité et ta bonté, Seigneur. Sois ton âge. Est-ce qu'on peut lui dire quelque chose ce soir? Yeah.
Seigneur existe, est accessible, invisible mais accessible. Béni soit ton nom, que toute la gloire te revienne. Merci pour ta fidélité. Sois béni, Seigneur.